Bonsoir. Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir pour cette belle soirée de football. Enfin, belle soirée, façon de parler, car on nous annonce de la pluie dans les minutes qui viennent. Remarquez, on ne dirait pas en regardant les tribunes, car les supporters sont venus très nombreux. J'en profite pour les saluer, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ils sont toujours là pour soutenir leur équipe. L'ambiance qu'ils mettent fait partie intégrante du football. Alors merci et chapeau à eux. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. C'est étonnant, mais si nos informations sont bonnes, on devrait voir trois défenseurs et un milieu à 6. Eh bien, c'est un système assez rare, il faut le reconnaître. Mais j'imagine que ce ne sera pas rigide. Je suis sûr que le milieu de terrain va passer à 3, 4 ou 5 joueurs selon les besoins. C'est un schéma tactique qui peut être redoutable aussi en attaque, car ça offre énormément de solutions. On est parti pour 90 minutes. Bien, la profondeur. Il réoriente le jeu vers l'arrière. Il décide d'allonger le jeu. Il allonge le jeu. C'était une bonne intervention. Et il perd l'équilibre. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. La longue ouverture sur l'aile. C'est joué long. C'est joué dans l'espace. Oh, le beau ballon. Oh, l'aspiration. C'est super bien joué ça. Il savait exactement ce que le gardien allait faire. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Il est bien placé. Le Royal Antwerp qui essaye de construire. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Elle ne résiste pas au contact. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Oh, attention. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il essaye de faire la différence côté gauche. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Le Royal Antwerp qui peut avancer. Allez. Il s'impose physiquement dans ce duel. Le ballon dans la profondeur. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation, mais il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. C'est bien placé, ça peut être une frappe directe. Où ils seront décrochés s'ils encaissent un but. Il frappe. Oh, c'est bon. C'est très bon. Quel but extraordinaire. C'est tout simplement incroyable. Magic. Ça fait maintenant 2 buts d'écart.
Et cette trajectoire qu'il a trouvée, la classe. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Et après, rien à dire sur l'exécution. Le break est fait, on est reparti. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Bon service dans la profondeur. Long ballon dans le sens du jeu. Quelle passe! La longue passe. La frappe! À côté. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix! C'est joué long. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. La passe dans la profondeur. Obligé de reculer. Un long ballon vers l'avant. Va-t-il en profiter? Hors jeu. Dans 5 minutes, l'arbitre va siffler la pause. Il restera un ou deux bons coups à jouer là. C'est joué long, attention. On la frappe! Oh, le gardien est là, la classe! Ah oui, superbe! Manger. Le bon ballon. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Qui met un terme à cette première période. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. La seconde période, c'est parti. Attention, la frappe! Le ballon a frôlé le poteau gauche. C'était un tir plus que correct, ça méritait sans doute un meilleur sort. Ça sort, touche. En retrait pour repartir proprement. Ça joue long vers l'avant. Ça n'a pas pu aller plus loin. Il tente de la jouer dans l'espace. Quel bon ballon, mais ça ne trouve pas preneur. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Il allonge vers l'avant. Oh, le contre, l'arme fatale. Il allonge le jeu. Oh, attends. Oh, la frappe. Oh, encore un but. Voilà qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. Il joue bien le coup là. Ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. Thank you.
Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Ça peut faire mal. Un peu de coaching, c'est bien. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Le ballon donné dans la profondeur. Le bon jaillissement. Encore une récupération de balle. Mandžek. On nous annonçait la pluie, la voici. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu leur coûter cher. Il prend sa chance. Quelle parade magnifique! La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. Premier corner dans cette rencontre. De la tête. Oh, elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. C'est joué long. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. C'est joué dans la profondeur. C'est bien donné. Un grand dégagement le plus loin possible. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Quelle occasion, attention! Mais le cadre se dérange largement. Il cherche la profondeur. Il est passé. Le duel. La tentative. Elle a préféré jouer la sécurité. Oui, il peut frapper là. Oh, ça aurait pu être le quatrième but. Il a trébuché sur cette intervention. Elle continue sa course. Et bon centre dans la surface. Ça ne passe pas. Un long ballon vers l'avant. Passe interceptée. Dans la profondeur. Bien donné, plein axe. Il peut y aller. C'est clair, il n'a pas tremblé, il est allé au bout de son action. Bravo. Et c'est son deuxième but dans cette rencontre.
Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes. Et encore, je suis gentil. Bonne interception, il y avait danger. Et l'arbitre sifflé fait la fin du match. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Alors dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. On s'est régalé, Darren, vraiment, tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite, à très bientôt. Merci Grégoire, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.